La nouvelle saison de Cube Radio commence ce lundi et l'heure était aux répétitions ce matin dans les nouveaux studios. Isabelle, tu étais sur place. Comment ça s'est passé? Il y avait beaucoup de fébrilité, là. C'était électrique dans l'air parce qu'il faut dire que dans deux jours, oui, Cube Radio débarque sur la bande FM. Ce sera possible d'ailleurs de continuer d'écouter Cube Radio sur les applications à la télé. Mais aujourd'hui, les animateurs ont surtout découvert de tout nouveaux studios. Il y avait, oui, les répétitions, les enchaînements, tester le nouveau matériel. Mais aujourd'hui, ça sentait encore la peinture quand on est débarqué dans les studios. Vous voyez sur les images d'ailleurs, ça sent le neuf, comme on dit en bon québécois. Et j'avais envie de vous présenter les réactions des animateurs vedettes qui ont mis les pieds pour la première fois ce matin dans ces tout nouveaux studios de Cube Radio. On est fiers, on a hâte, fébrile. C'est fébrilité totale, c'est absolument magnifique, c'est un bel univers moderne, on est prêt à affronter la compétition. Moi, j'ai l'impression d'être petit, puis je commence l'école, là. Puis tu sais, là, je rentre dans la nouvelle école, puis je regarde, puis je me demande avec qui je vais être dans ma classe et tout ça, là. Mais c'est très impressionnant, puis c'est comme arriver dans un nouveau chez-soi. On va y passer beaucoup de temps, avec vous, d'ailleurs. On est là, moi, je suis là pour chialer, puis je trouve pas matière à chialer, fait que ça va mal, là, tu sais. Non, mais on est très... Tout le monde, le feeling, le buzz, là, il est vraiment, vraiment très positif. Et Isabelle, il y a un petit oiseau qui me dit qu'on pourra vous entendre aussi sur les ondes de Cube. Maintenant, par...